Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Drone. Et alors, on s'est déjà rencontré pour d'autres visites à Londres et à New York, entre autres. On a fait aussi quelques musées de France ensemble. Quelques auditeurs me connaissent peut-être aussi pour des visites que j'ai faites dans Paris. Et donc, on va parler ensemble pendant quelques minutes d'un département français qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique, l'île de la Martinique, moi, pour laquelle j'ai un attachement un peu particulier, un attachement familial. Donc voilà, alors on part en Martinique. Il vous faut alors faites vos bagages avec des vêtements légers. Il fait chaud là-bas, on est très au sud. Il faut 8 heures de vol, pardon, 6 heures de décalage horaire. Quand vous allez faire votre valise, pensez, la dernière chose qu'il faut rentrer à l'intérieur de la valise quand on va en Martinique, c'est le maillot de bain. C'est la première chose dont vous aurez besoin après être sorti de l'avion. Alors, donc on prend notre vol, on arrive, donc on a voilà, approximativement 8 heures de vol. Quand on commence à s'approcher de l'île, donc normalement le commandant de bord vous dit qu'on est en train de descendre vers l'île de la Martinique. L'aéroport se trouve côté Caraïbes, à l'opposé de l'endroit par lequel arrive l'avion. Je vous montre une de mes photos. Et donc, quand on arrive sur l'île, la première chose qu'on découvre, qu'on voit de l'île, s'il n'y a pas trop de nuages ce jour-là, c'est le nord de l'île avec la montagne Pelée. Elle culmine un tout petit peu en dessous de 1 400 mètres de hauteur. Et donc, c'est le volcan qui se trouve complètement au nord de l'île. C'est une petite île, hein, l'île de la Martinique. Donc, si vous regardez ma carte, donc c'est une île, donc de l'arc des Antilles. Elle est dans les petites Antilles, donc dans la partie sud de l'arc antillais. C'est une île géographiquement. Voilà, c'est une petite île, hein. Elle fait 60 km de long pour 30 km dans la partie la plus large. Donc elle est occupée pour la plus grande partie de la partie nord par les différentes structures volcaniques qui lui ont permis de se former. Donc celle la plus au nord sur mon image, c'est bien évidemment la montagne Pelée. Dans la partie sud, on a également des zones montagneuses avec vraiment les parties les plus anciennes de l'activité volcanique de l'île. Donc, les plus anciens volcans se trouvaient au sud et au fur et à mesure, les formations volcaniques grimpent vers le nord de l'île. La montagne Pelée est aujourd'hui le seul volcan actif de l'île et c'est un volcan avec une activité relativement réduite. Donc, l'île se trouve entre l'océan Atlantique sur sa façade est et la mer des Antilles, la mer des Caraïbes sur le côté ouest. Donc au milieu de l'île se trouve la capitale actuelle de la Martinique, Fort-de-France. À droite de Fort-de-France, la plaine du Lamentin. C'est une des rares plaines de l'île et c'est là que vous atterrirez quand vous arriverez sur l'île de Martinique. Et donc, la capitale de la Martinique, c'est Fort-de-France. Alors, bien évidemment, tout le monde connaît la Martinique pour ses plages. Alors, voilà, j'attire votre attention avec les photos de plages paradisiaques. Ça, celle-là, c'est la plage des Salines qui se trouve au sud de l'île côté Caraïbes. Mais moi, je vais vous parler de l'île pour tout son patrimoine historique. C'est une île qui est intéressante pour son histoire, pour son patrimoine architectural, bien évidemment pour sa faune et sa flore, le cocotier entre autres, mais c'est une île qui a véritablement un patrimoine qui est intéressant et qui est extrêmement riche. Donc le point de départ de notre découverte, ça va être Fort-de-France, puis ensuite on descendra vers le sud côté Atlantique, on remontera le long de la côte Atlantique pour rejoindre ensuite le côté Caraïbes au pied de la montagne Pelée et on terminera au sud Caraïbes à la fin de ma présentation. Donc
On commence très très logiquement la découverte de la Martinique par sa capitale. Le Fort-de-France se trouve donc sur la baie de Fort-de-France. C'est l'ancienne ville de Fort-Royal, donc c'est une ancienne ville de garnison. On a encore sur le côté de la mer le fort Saint-Louis qu'on peut visiter, qui est une partie historique de la ville. Forcément, Fort-de-France est une capitale récente de la Martinique. La capitale historique de la Martinique se trouvait au nord, c'est Saint-Pierre, on en reparlera tout à l'heure. Après l'éruption de 1902, donc toute la structure politique a rebasculé vers Fort-de-France. Donc aujourd'hui, c'est elle la métropole de Martinique. Pour vous donner une idée, la Martinique a aujourd'hui une population qui est d'un petit peu plus de 350 000 habitants. Donc le siège de l'évêché est aujourd'hui la cathédrale de Fort-de-France, la cathédrale Saint-Louis. On a une fondation ancienne de cette cathédrale. On a une église en réalité à cet emplacement-là depuis le XVIIe siècle. Donc l'île a été découverte au tout début du XVIe siècle, en théorie en 1502 par Christophe Colomb. Elle a été habitée par des mouvements de population qui proviennent d'Amérique du Sud, une population arawak. On a une trace de cette occupation depuis le premier siècle. On a des traces archéologiques depuis le premier siècle après Jésus-Christ. On a un site, entre autres, qui a été couvert par les cendres volcaniques. Donc, on a des traces d'une occupation. Des Arawaks sur cette île, et puis ensuite des modifications de population pour la population caraïbe. C'est celle que rencontrera beaucoup plus tard la population européenne. Pour nous, c'est une île qui a commencé à être occupée par les Français, en fait, relativement tardivement. On a commencé à occuper cette île à partir du XVIIe siècle. C'est une occupation qui commence en réalité à partir de 1635 avec la prise de possession de l'île par Belin des Nambucs. Il s'appelle Pierre Belin des Nambucs. Donc c'est pour ça que le vocable de toute une partie de l'île est autour de Saint-Pierre. Mais donc pour ce qui nous intéresse, la cathédrale, elle, est une construction du 19e siècle et du 20e siècle. L'île a subi très très régulièrement des tremblements de terre et des cyclones. Donc en fait, certains bâtiments, comme l'église principale de Fort-de-France, a été plusieurs fois reconstruite. Celle qui nous intéresse a été reconstruite après un très gros incendie qui a détruit toute une partie de la ville en 1890. Et donc, on a commandé une reconstruction de la cathédrale. C'est l'architecte Pierre-Henri Pic qui a dessiné ce bâtiment. Elle est intéressante pour sa structure, parce que c'est une architecture entièrement de métal. Donc toute l'armature principale de la cathédrale est faite de métal. Elle a été plusieurs fois restaurée. La flèche a été entièrement reprise dans les années 70. Donc c'est un bâtiment relativement spectaculaire. C'est une très grande église d'un peu plus d'une soixantaine de mètres de long pour 24 mètres de large, avec une grande nef et deux grands collatéraux. Elle est caractéristique de la fin du 19e siècle, avec une part de sa décoration qui est en transition avec l'art nouveau. De ce même incendie de 1890 est née la bibliothèque Schœlcher. La ville de Fort-de-France est riche de plusieurs grands bâtiments. Je vous ai cité le fort Saint-Louis, donc la cathédrale que je viens de vous montrer. On a le Grand Marché, la bibliothèque Schœlcher. On a deux musées, le musée départemental et le musée régional. C'est donc une ville assez active, bien évidemment, mais qui a un vrai patrimoine architectural. Et donc la bibliothèque Schœlcher en fait partie. Elle est née d'une donation du secrétaire, du sous-secrétaire d'État aux colonies
Victor Schœlcher, c'est celui qui a dirigé les lois et qui a créé les lois d'abolition de l'esclavage en 1848. Et en 1883, il est mort en 1893, en 1883, il a décidé de léguer l'ensemble de la collection de sa bibliothèque à la Martinique pour permettre l'éducation de tous les citoyens qui vivaient en Martinique. Donc il donne une énorme collection de livres, de presque 10 000 ouvrages et 250 partitions. Donc, qui sont offertes à Lille. Malheureusement, ce fonds était en dépôt à Fort-de-France en 1890. Donc, pendant l'incendie qui détruit toute une partie toute la partie centrale de Fort-de-France, une très très grande partie de cette collection a été détruite. Et donc, des 10 000 ouvrages, il en reste aujourd'hui 1 200. Et donc, à cause de cette donation, il a fallu créer un bâtiment pour pouvoir accueillir ces collections. Donc, c'est encore une fois le même architecte, Pierre-Henri Pic, qui a été sollicité pour créer ce bâtiment, donc qui est là, elle aussi une architecture de métal. Très largement, vous allez le voir, elle est étonnante cette architecture parce qu'elle est à la fois marquée par la fin du 19e et le tout début de l'Art nouveau. Si vous y faites attention au-dessus du fronton de la bibliothèque, on voit des formes un peu d'inspiration végétale qui sont marquées par ce goût Art nouveau. Mais par contre, les colorations des façades du bâtiment sont de très très assez marquées par un goût néo-byzantin. Alors vous êtes à la fin du 19e, le bâtiment a été aménagé par l'architecte Pic à l'extrême fin des années 1880, puis démonté. Il a été présenté dans le parc des Tuileries à Paris, puis démonté et envoyé en kit. En Martinique pour être remonté sur place. Et donc, la bibliothèque a ouvert ses portes en 1893. C'est un grand pavillon carré de 18 mètres de côté et qui est couvert par un grand dôme de verre qui permet d'éclairer véritablement cette structure. La bibliothèque accueille aujourd'hui un fonds d'archives et de documents publics de 130 000 ouvrages. Donc c'est une bibliothèque assez riche et donc qui encore aujourd'hui a une partie de ses locaux à l'intérieur du bâtiment historique. Là, vous êtes à l'intérieur de cette bibliothèque. Donc vous le voyez, absolument caractéristique de cette architecture de la fin du 19e, architecture de fer et de verre. C'est volontaire de la part de l'architecte. Donc c'est véritablement lié à cette histoire dramatique de Fort-de-France et des risques d'incendie à l'intérieur d'une bibliothèque. Donc voilà, l'architecte Pic avait trouvé cette solution en utilisant une architecture de métal. Si on sort de Fort-de-France, on rentre, on va descendre vers le côté atlantique. Ah, pardon, j'ai complètement oublié de vous dire ça. Donc on sort de la bibliothèque Schœlcher. Quand on sort de la bibliothèque Schœlcher, on est en plein cœur de la ville et il y a une immense esplanade au centre de la ville qui est appelée la Savane. Sur la Savane, on a quelques-uns des autochtones, des habitants de la Savane que sont les iguanes. Donc on a deux espèces d'iguanes en Martinique. L'espèce endémique est en train de disparaître à la faveur d'iguanes qui proviennent d'Amérique du Sud, c'est celui que je suis en train de vous montrer. Ils sont pas très farouches, mais enfin bon, c'est une assez grosse bête, donc il vaut mieux pas trop s'en rapprocher. Mais voilà, vous voyez, c'est une bête absolument superbe. Et donc on en a il y en a toute une série de ces iguanes à l'intérieur du Fort Saint-Louis. Si on va visiter le Fort Saint-Louis ensemble, vous verrez de ces iguanes d'Amérique du Sud. Le cœur de la ville, à côté de la cathédrale, le cœur marchand de la ville de Fort-de-France, c'est bien évidemment son grand marché. C'est un endroit magique. C'est un endroit avec plein de parfums, plein d'odeurs différentes et des couleurs absolument extraordinaires.
Là, vous le voyez avec la lumière de l'île. En Martinique, si on va en Martinique dans les périodes en dehors de la période des cyclones, la période la plus favorable pour aller en Martinique, c'est notre fin d'hiver et le printemps autour de février jusqu'au mois de mai. Et puis après, d'octobre jusqu'à décembre, ce sont des périodes très favorables où il fait 25, entre 25 et 28 degrés. La mer est autour de 24 degrés, donc 24, 25 degrés. Donc c'est, voilà, vous pouvez rentrer dans l'eau sans beaucoup d'hésitation. Donc voilà le marché avec tous ces fruits tropicaux. C'est vraiment magique de rentrer à l'intérieur de ce marché. On a toutes les odeurs des différentes épices et ces couleurs absolument extraordinaires des fruits du marché. Alors, donc, Fort-de-France est situé au centre de l'île. Nous, on va partir côté Atlantique, donc vers la droite et en descendant vers le sud. La façade atlantique est ponctuée de toute une série d'habitations. Qui sont le cœur en fait des grandes sucreries qui ont fait la richesse de la Martinique à partir du XVIIe siècle. La valeur du sucre fait que l'île s'est construite véritablement sur ce marché du sucre en priorité, mais également du cacao, du café et de l'indigo. Donc, on a une vraie histoire commerciale autour de l'île qui a justifié le commerce triangulaire et le développement de l'esclavage. Donc, les premiers colons ont commencé à développer l'île au milieu du XVIIe siècle et assez rapidement, l'île est la destination d'une partie du marché de l'esclavage, d'abord sous forme de piraterie, en capturant des bateaux hollandais ou anglais. On en reparlera, mais la Martinique a été l'enjeu de conflits et de batailles entre la Hollande, l'Angleterre et la France. Donc, entre autres, grâce à sa production de sucre. Donc, aujourd'hui, le sucre est très, très minoritaire et a laissé la place à un autre dérivé des produits de la canne à sucre, qu'est le rhum. Donc, je vous emmène voir une des habitations les plus célèbres de l'île, l'habitation Clément, qui se trouve sur la commune du François, côté sud Atlantique. C'est aujourd'hui un site à la fois patrimonial et un site de production de rhum. Donc, la distillerie ne se trouve plus, la distillerie qui est sur le site n'est plus en fonction. La distillation du rhum se fait à la distillerie du Simon, mais le vieillissement du rhum Clément se fait toujours sur place. Donc, on ira ensemble visiter à la fois l'ancienne distillerie, qui est toujours en place, qui a été maintenue par le propriétaire actuel de l'habitation Clément, qui est la famille Ayotte. Donc, ils ont créé une fondation, la Fondation Clément, pour gérer à la fois le patrimoine historique de l'habitation, l'utiliser pour des manifestations culturelles, des expositions d'art et d'art contemporain, entre autres. Mais les chais sont toujours en fonction. On continue à travailler le rhum à cet emplacement. Donc, c'est ce que vous voyez là, les chais de Clément. Donc, des grands hangars. Voilà, on a gardé une idée d'une architecture de métal et de bois dans lequel donc on met à vieillir le rhum. Mais bien évidemment, ce qu'il y a de plus passionnant dans l'habitation Clément, c'est tout le domaine, toute la partie du patrimoine culturel liée à cette maison. On sait qu'elle existe en fait, cette maison, enfin cette exploitation existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Elle s'appelle à l'époque l'habitation Acajou. Et quand la famille Clément a commencé à développer le rhum, les premiers rhums qui ont été créés étaient les rhums Acajou. Donc la maison elle-même a un cœur, a une structure centrale qui est du 18e. Vous la voyez là, en fait, elle est établie sur une motte, donc une petite colline au centre du domaine. Elle est absolument caractéristique de l'architecture créole. C'est le cœur même de la maison.
Avec les pièces de réception sont desservies par toute une série de coursives, de galeries extérieures, et les chambres se trouvent au premier étage du bâtiment. Vous le voyez là, c'est une maison de bois qui est entièrement ventilée. Vous verrez ça en fait quand on ira ensemble. Le sommet des murs est complètement ajouré pour permettre à l'air de circuler à l'intérieur de la maison. Voilà, je vous montre, vous rentrez à l'intérieur de cette structure. Donc, c'est une maison principalement de bois. Le cœur est du 18e. Donc, cette maison s'est développée autour de quelques propriétaires qui la grandissent. La famille Bassini, à la fin du 18e, qui rachète plusieurs propriétés pour atteindre un domaine de 124 hectares. Elle passe ensuite entre les mains de la famille Franqueville, qui porte la propriété à 160 hectares. C'est ce que fait aujourd'hui la propriété Clément. Et à ce moment-là, en fait, on y produit du sucre. Donc, en fait, le sucre est travaillé sur l'exploitation, et il peut être envoyé vers la France, soit en matériaux bruts, soit déjà travaillé. Donc, c'est la fonction première, en fait, hein, de ces habitations et de ces exploitations. Donc, on y travaille la canne à sucre pour produire du sucre. Le rhum viendra un petit peu plus tard. Et donc, l'habitation rentre en crise après 1848 et l'abolition de l'esclavage, et elle est rachetée donc par Omer Clément en 1887. Donc la maison en fait correspond à ces périodes-là. Elle a été commencée au 18e, elle a été réaménagée au milieu du 19e siècle avec la famille Franqueville, et son achèvement, les derniers travaux d'aménagement de la maison datent de la fin du 19e, au moment où Omer Clément prend le contrôle de ce domaine. Il a laissé son nom. C'est un homme étonnant. C'est un médecin et c'est un créole. C'est un métis. Donc c'est une histoire très très étonnante, parce que bien évidemment toutes les grandes propriétés sucrières appartenaient à des béquets. Donc en fait des habitants français qui se sont implantés en Martinique et qui vivent en Martinique, ce qu'on qualifiait à l'époque de créoles, donc une population blanche qui est propriétaire de ces grandes demeures. Et donc, quand Omer Clément achète cette propriété, c'est véritablement très 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 étonnant qu'un métis reprenne le contrôle de cette habitation, et véritablement il lui donne son élan. C'est lui qui va faire installer la première distillerie de la propriété, et véritablement faire basculer du sucre vers le rhum. Vous connaissez peut-être les rhums Clément, ils sont encore très très célèbres, y compris en métropole. Voilà le grand salon central de cette maison. Elle est aujourd'hui donc un musée. On peut la visiter, et elle est fabuleuse, parce que véritablement elle a conservé toute une partie de son patrimoine et de son mobilier. Donc c'est un mobilier principalement d'acajou, ce qu'on appelle le mahogany en Martinique. Donc c'est tout un mobilier qui est resté à l'intérieur de la maison, et qui vous parle vraiment de ce qu'était cette maison. Voilà, je vous montre donc la galerie extérieure. Donc tout le salon est au centre de cette maison, et en fait on a des grandes galeries tout autour de la structure de la maison pour lui permettre de se ventiler, hein, et d'être constamment voilà ouverte vers l'extérieur. Voilà la salle à manger de cette maison. C'est là peut-être que vous voyez le plus cette confrontation à l'intérieur des petites Antilles entre Hollande, France et Angleterre. Et voilà, quand on écoute une partie de la langue créole, on se rend compte de cette proximité avec les Antilles anglophones. Voilà, de temps en temps, il y a quelques mots qui rappellent l'Angleterre. L'utilisation de ce bois d'acajou est aussi très très familier par rapport à ce qu'est le mobilier des îles anglophones. L'habitation Clément, il faut absolument aller la voir, parce qu'elle est vraiment une très très belle un très très bel ensemble. À la fois donc de cette architecture, la distillerie, et puis bien évidemment la partie de la fondation elle-même, donc qui a ouvert un espace d'exposition temporaire en 2016 pour voilà dynamiser
cette partie de l'île et créer un vrai centre d'exposition, un vrai centre contemporain. Donc, l'île, là vous êtes au sud de l'île, côté Atlantique. L'île est bien évidemment connue aujourd'hui pour ce patrimoine créole et pour le rhum. Donc, là, on était donc dans la partie sud, côté Atlantique de l'île. Si vous y faites attention, vous voyez la ville du François, qui est à l'opposé de Fort-de-France, côté Atlantique. Donc voilà, l'habitation Clément se trouve sur la commune du François. Et nous, on va remonter pendant quelques minutes vers le nord Atlantique de l'île pour rejoindre une autre distillerie, un autre rhum célèbre. Je passe là très vite côté Atlantique. On est en train de passer le Cap Chevalier. C'est un voilà, on est côté Atlantique. La mer est fabuleuse aux Antilles. Elle est plus agitée côté Atlantique. On sait que le côté nord Atlantique, on ne peut pas se rapprocher de la mer. On ne peut pas nager parce que la mer est trop dangereuse. Vous êtes sur l'Atlantique. Hein. Et là, vous voyez, on a des paysages absolument extraordinaires avec voilà l'océan qui vient rejoindre les rives de l'île. Je vous emmène donc côté Caraïbes, on est côté Atlantique, pardon, nord Atlantique, on est à Macuba, et on est descendu par une petite route jusqu'à la distillerie JM. C'est un des rhums les plus appréciés de Martinique. La première habitation qui se trouvait à cet emplacement-là a été créée au XVIIe siècle. C'est une sucrerie encore, et elle a été rachetée par un propriétaire qui s'appelle Jean-Marie Martin, JM, donc qui a laissé son nom à ce rhum. L'habitation a été achetée en 1914 par la famille Crassoud-Médeuil, et donc qui a, à partir de la propriété du fonds Préville, créé cette distillerie. On ira ensemble parce que c'est un endroit à la fois magique. Vous êtes côté nord Atlantique, donc dans une nature très pleine d'humidité. Donc on est véritablement sur une végétation tropicale et dans une distillerie qui est perdue dans une petite vallée. Et on peut véritablement visiter cette distillerie. Donc là, je vous montre des photos qui ont été prises en été à un moment où la distillerie est à l'arrêt, où on a démonté les mécanismes. Et donc voilà, on avait de présenter les différents engrenages qui permettent de broyer la canne. Donc, au premier plan, vous avez ces mécaniques et derrière, vous avez la canne elle-même. Voilà la canne. Donc, c'est un roseau qui produit un jus sucré qu'on va pouvoir retravailler soit pour obtenir du sucre, on en reparle dans quelques minutes, soit à partir des années 1880, quand l'industrie sucrière est rentrée en crise. Le développement de la betterave a coûté très cher à l'industrie sucrière et donc voilà on a basculé vers la fabrication de rhum et donc voilà une des grandes rhumeries de Martinique. Donc on peut visiter véritablement toute l'usine pour comprendre comment on fabrique le rhum. Et donc, on arrive au laboratoire tout à la fin. Voilà les barriques de vieillissement de ces rhums. Là, bien évidemment, les barriques que je vous montre sont en attente de stockage, hein, bien évidemment, mais pas de rhum en plein soleil. C'est pas bon, ça altère l'alcool. Et donc, voilà, quand on est à la distillerie JM, on ira ensemble. Il y a le laboratoire. L'endroit où on vous explique comment on fabrique le rhum est très très intéressant. On a véritablement toute une explication du vieillissement du rhum. Et donc voilà, je vous présente ces flacons. Vous pouvez les prendre, ouvrir le flacon et sentir les différents parfums du rhum. Et on vous explique le vieillissement du rhum et les différents arômes et les différents parfums que prend le rhum au fur et à mesure de son au fur et à mesure de son vieillissement. Alors, on avance et voilà. En dehors du sucre, je vous l'ai dit, c'est une île qui est connue pour être l'île aux fleurs.
Anciennement, en fait, dans les échanges, elle est d'abord l'île aux iguanes, et puis donc elle est appelée par la suite Madinina, l'île aux fleurs. Là, je vous montre une rose de porcelaine. Ça, c'est une partie de la magie de cette île. Elle est baignée par les vents qui proviennent de l'Atlantique, et l'altitude de la montagne Pelée fait que on a un ruissellement d'eau en permanence, et donc elle a cette végétation absolument incroyable, une végétation tropicale, mais dans une toute petite île, donc il y a toujours un peu de vent, donc on n'est jamais oppressé par la chaleur véritablement en Martinique, je trouve. Mais par contre, on a une végétation absolument extraordinaire, les fougères arborescentes sont absolument incroyables. Et là, voilà une rose de porcelaine. Je vous montre une rose de porcelaine rose d'abord et une rose de porcelaine blanche ensuite. Il y a plusieurs grands jardins auxquels on peut accéder. Les plus célèbres, pardon, sont les jardins de Balata, mais on a les jardins d'Émeraude, les jardins de Bonneville. Il y a plein d'endroits qu'on peut visiter pour découvrir à la fois le patrimoine de fleurs, mais bien évidemment aussi de fruits et toutes les plantations en général. Donc, je vous montre de nouveau une image de l'île pour vous expliquer là où on va aller maintenant. Donc on est toujours côté Atlantique, et si vous y faites attention, si vous au-dessus du François, on voit une pointe qui s'avance dans l'Atlantique. C'est la presqu'île de la Caravelle. Alors on ira ensemble dans la presqu'île de la Caravelle parce que c'est un endroit où on peut faire des randonnées absolument superbes. On peut faire tout un tour de la pointe de la presqu'île. Et voilà, on est face à l'Atlantique et dans une partie véritablement ancienne de l'histoire de l'île. Cette grande baie entre la presqu'île et la partie centrale de l'île est baignée par l'Atlantique, où là, bien évidemment, les plages sont fréquentables parce que protégées par la presqu'île de la Caravelle. Voilà, on est sur la presqu'île elle-même, et donc les différentes baies qui longent la presqu'île ont été source de légendes sur des trésors. Alors, je vous explique ça. Vous voilà au château Dubuc. La famille Dubuc est une des familles anciennes de l'île. Pierre Dubuc est un petit aristocrate normand qui s'exile sur l'île suite à une affaire de duel. Il va gagner une réputation sur l'île en participant au milieu du XVIIe siècle aux batailles des colons, de la population venue de France contre les Arawaks, les habitants de l'île, pour repousser les Arawaks vers le nord de l'île. Comme il a été un des leaders de ces batailles, il gagne des terres sur la presqu'île de la Caravelle, sur laquelle en fait il va développer une propriété qui va rester dans la famille jusqu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, et dans laquelle donc il va installer une sucrerie. Malheureusement, les bâtiments qui ont été construits par son petit-fils, le château Dubuc, ce que je vous montre là, a été victime d'un tremblement de terre à la fin du XVIIIe siècle. La famille a été ruinée à la suite de ce tremblement de terre et de cyclone. La sucrerie a été arrêtée, et à la fin du XVIIIe, toutes les activités autour de cette propriété se sont arrêtées. Elle est complètement à l'abandon à partir de 1815. Et ça n'est qu'en fait au milieu des années de 1970 que le parc national a été installé et que donc on a fait ressortir de la forêt les ruines de ce château. Donc ce que vous avez devant vous, c'est une construction, une grande demeure de l'extrême fin du XVIIe, tout début du XVIIIe siècle, au sommet de la colline, et qui était toute entourée des différents bâtiments
de l'exploitation, donc bien évidemment les moulins et un embarcadère qui donne directement sur la baie du Trésor, et donc qui a donné naissance à une légende autour de la relation de la famille Dubuc avec la piraterie et le commerce des esclaves. L'idée, c'est qu'ils se sont fait construire un débarcadère d'où ils pouvaient faire voilà le commerce du sucre sans avoir à payer les taxes. Donc voilà, ça a donné cette légende d'une baie du Trésor où la famille Dubuc aurait amassé une fortune, pas tout à fait par la piraterie, mais enfin quelque chose qui se rapprocherait assez de cette idée-là. C'est un endroit absolument extraordinaire à aller voir et c'est le point de départ d'une marche qui vous permet de contourner la presqu'île qui est absolument superbe, vraiment dans un endroit complètement sauvage de l'île. Bon, alors, bien évidemment, on va voir quelques-unes de ces fleurs et de ces fruits de l'île, là spécifiquement, l'oiseau de paradis. Quand vous êtes dans les sous-bois de l'île, vous pouvez comme ça rencontrer de ces fleurs extraordinaires qui sont, voilà, à l'état sauvage, hein, là. Donc, vraiment, c'est des endroits magiques. Là, je vous montre les fruits du carambolier. Que vous connaissez, vous, comme un endroit des fruits totalement exotiques. Bien évidemment, voilà, fruits tropicaux qui sont accessibles dans certains de ces jardins. Vous verrez, vous rencontrerez de ces propriétaires de jardins tropicaux passionnés qui vous expliquent comment on exploite, voilà, le carambolier. Là, la noix de muscade à son état premier. Donc c'est aussi une partie du patrimoine de cette île. Voilà tous les produits exotiques qui vont avec ce climat. Donc là, je vous montre la noix de muscade, mais bien évidemment, en allant dans la forêt, on pourra découvrir aussi le cannelier, l'arbre qui donne le bois de cannelle, qui est, voilà, pareil, quelque chose d'assez extraordinaire. Vous froissez une feuille de cannelier et vous avez cette odeur de cannelle qui arrive. Donc voilà, on était sur la presqu'île de la Caravelle, face à la ville de Trinité. On va monter vers le sommet de l'île et rejoindre la montagne Pelée. On tourne autour de la montagne Pelée et au pied de la montagne Pelée, côté mer des Caraïbes, côté mer des Antilles, se trouve l'ancienne capitale de la Martinique, Saint-Pierre. Voilà, au pied du géant, c'est une photo que j'ai prise un jour où elle était dégagée. La montagne est très très souvent couverte par les nuages parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a presque une altitude de 1400 mètres et donc le sommet de la montagne est bien plus froid, bien plus frais et donc les nuages se condensent. Donc en fait, elle est très très souvent couverte par les nuages. Et pour les plus courageux qui montraient vers les sommets de cette montagne, quand on arrive au pied de la caldeira, c'est absolument magique parce que l'île est extrêmement étroite, hein, je vous rappelle. Et donc en fait, si le temps est suffisamment dégagé, vous voyez aussi bien l'océan sur votre gauche. Si vous regardez vers le sud, l'océan sur votre gauche et la mer des Caraïbes à droite. Vous dominez les flancs de la montagne qui plonge dans la mer des Caraïbes au niveau de la ville de Saint-Pierre. C'est une vieille photo de Saint-Pierre que je vous montre. La ville de Saint-Pierre, donc elle est Saint-Pierre à cause du fondateur de l'île, Pierre Belin des Nambucs, le fondateur de la colonie de l'île, fondateur de la ville de Saint-Pierre. Donc, qui est dédiée à son propre saint patron, Pierre. Elle est la ville, véritablement, la capitale de l'île jusqu'en 1902. Elle était extrêmement célèbre, déjà pour une assez bonne raison, c'est qu'en fait, elle a une immense baie au pied de la montagne qui était ouverte sur la mer des Caraïbes. Et comme on est sur les flancs de la montagne, c'est une baie profonde.
Donc en fait, on peut avoir des bateaux d'assez fort tonnage qui se rapprochent de l'île à cet endroit-là. Et donc on a pu développer véritablement le commerce autour de ce port, et tout particulièrement, donc bien évidemment à l'origine, le commerce du sucre, du cacao, du tabac, du café, de l'indigo, puis au 19e siècle, le commerce du rhum. Pour la petite anecdote, le commerce du rhum a connu une forte croissance pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a une forte demande pour les soldats. Alors, pour ce qui nous intéresse, nous, avant sa destruction, la ville de Saint-Pierre est donc la ville la plus riche de l'île, et une des villes les plus dynamiques, les plus cosmopolites, les plus brillantes des Antilles. Elle est la petite Paris des Antilles. C'est une ville extrêmement florissante, riche et très 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 très, très vivante. Voilà, je vous montre la façade ancienne de la cathédrale. Donc aujourd'hui, cathédrale de l'Assomption. C'est donc l'ancien bâtiment que vous voyez ici. Elle est de fondation ancienne, hein, bien évidemment, la cathédrale, 17e siècle. Elle est construite dans le quartier du Mouillage, dans le quartier du port. Réaménagé à plusieurs occasions, agrandi particulièrement pour ce qui nous intéresse. Le bâtiment principal a été réaménagé dans les années 1830, et puis donc on lui a ajouté cette grande façade d'influence baroque, plus des cloches qui avaient été prises pendant la guerre de Crimée et qui sont ramenées à Fort-de-France pour sonner les cloches de la cathédrale. Bien évidemment, tout ça a fini dramatiquement le 8 mai 1902, pendant les fêtes de l'Ascension, le matin du jeudi de l'Ascension. Le volcan rentre en éruption, et c'est une véritable explosion qui ravage complètement la ville de Saint-Pierre. La photo que je vous montre, c'est la cinquième éruption de la montagne, toujours en 1902. Malheureusement, la ville se trouve pile dans la zone d'explosion de la montagne. Et donc, de cette image, je reviens un petit peu en arrière. Voilà l'image de la ville de Saint-Pierre avant. Et voilà la ville après. L'administration de la ville avait demandé à ses habitants de rester parce qu'il y avait des élections qui allaient être organisées. On a 30 000 personnes qui meurent dans la ville d'un coup. La ville est entièrement ravagée. Il va falloir attendre 1923 pour qu'elle se remette, qu'on remette en marche véritablement la ville de Saint-Pierre. Mais donc, entre-temps, c'est Fort-de-France qui a pris le pas, qui est devenu la capitale. Donc, Saint-Pierre est un endroit où il faut aller. C'est un endroit étonnant, qui garde une part de cette histoire. Je vous montre là les ruines du théâtre. La ville était extrêmement fière d'avoir une copie du théâtre de Bordeaux dans son cœur historique, dans le cœur ancien. C'est un théâtre qui a été construit à l'extrême fin du 18e, puis réaménagé en théâtre à l'italienne au milieu du 19e siècle. Le théâtre était très célèbre. Il pouvait accueillir 800 personne, ce qui est exceptionnel, hein, vu la taille de l'île. Et on sait que le théâtre, par l'évolution de l'île après l'abolition de l'esclavage en 1848 et l'apparition d'une population métisse qui forme une première bourgeoisie, on a à l'intérieur de ce théâtre un parterre métisse et les béquets, les colons, les blancs qui sont installés dans les loges. Mais donc c'est un endroit où on a un petit peu tout le monde. On y joue du théâtre, on y joue bien évidemment des opéras. Et le bâtiment a été fermé. Hein, excusez-moi. Le bâtiment a été fermé un an avant l'éruption. Le théâtre devait bénéficier de travaux pour le réaménager, commencer à vieillir. Malheureusement, bien évidemment, il ne reste aujourd'hui plus que ce grand escalier, et vous le voyez en fait juste au-dessus de l'escalier, on voit la base des galeries d'entrée de ce théâtre.
depuis le théâtre, dans les geôles de la prison de Saint-Pierre, on pouvait entendre les airs d'opéra. Donc, juste à gauche de l'escalier que je vous ai montré se trouvait l'enceinte de la prison de Saint-Pierre. Et donc, plaqué contre le mur tout au fond de cette prison, se trouvait un cachot du XVIIIe siècle. Le cachot dans lequel était enfermé Cyparis, un citoyen de voilà pas très recommandable, qui avait été emprisonné pour avoir agressé au coutelas un de ses proches, et donc qui en état d'ivresse avait été enfermé à l'intérieur de ce cachot dans la nuit du 8 mai 1902. Il a témoigné de ce qui s'était passé, d'entendre cette déflagration épouvantable et les cris des gens, et de sentir la fournaise autour de lui. La cellule était bien évidemment fermée. On a une porte de bois à l'emplacement de cette ouverture, et une toute petite fenêtre au-dessus, grillagée. Et il a expliqué dans ses témoignages cet air brûlant qui jaillit à l'intérieur du cachot, et lui essayant de se protéger de cette fournaise. Il est resté 2 jours enfermé à l'intérieur de ce cachot avant d'être sauvé. Il n'est pas le seul, hein. Il y a quand même eu quelques survivants, pas de la ville elle-même, mais des faubourgs de la ville de Saint-Pierre. On a quelques personnes qui ont réussi à s'échapper, qui étaient éloignées du cœur de la ville, mais dans le cœur de la ville, il est le seul survivant. Il a été ensuite montré dans le cirque Barnum. Voilà, il était le célèbre survivant de la destruction de Saint-Pierre. Je vous montre juste très très vite les ruines de l'église du fort. J'avoue que c'est un endroit que j'aimerais bien vous montrer si on va ensemble en Martinique. C'est un endroit qui montre ce qu'est cet événement de 1902. C'est la plus ancienne église, en fait, de Saint-Pierre. C'est l'église des Jésuites. Elle a été fondée autour de 1630. Et donc, c'était un bâtiment du XVIIe qui avait été modifié au XIXe siècle, caractéristique de l'architecture des îles, avec un clocher indépendant. Et bien évidemment, on est sur les fêtes de l'Ascension. Et donc, on sait qu'au moment où le volcan a ravagé cette partie de l'île, en fait, on a les communions qui étaient en train de se mettre en place. Donc, le site de l'église du fort est très, très, à la fois très émouvant et très, 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 très impressionnant de voir les ravages de cette éruption. Pour vous donner une idée, le fronton de l'église a été projeté à une trentaine de mètres au-delà de l'église. Donc, c'est vraiment un endroit très 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 impressionnant qui explique ce qu'a été cette ville. Alors elle est réapparue, hein. Donc c'est ce que je vous disais, en 1924 on a commencé 1923 1924 on a commencé à réaménager la ville, et donc les pontons, l'ancien emplacement des pontons du port de Saint-Pierre ont été recréés. Là, la photo a été prise, voilà, justement, depuis un des pontons. Sur votre gauche, derrière les palmiers, se trouve la place Bertin, qui était l'endroit du débarcadère de la ville, l'endroit où on déposait tout ce qu'on emmenait d'Europe, et on y prenait sucre, indigo, cacao, puis ensuite le rhum. Donc, vous voyez ces palmiers, et puis l'ancienne bourse de commerce, et derrière les tours de la cathédrale de l'Assomption, donc qui est la nouvelle cathédrale construite sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale. Elle est voilà une reprise en béton de ce qu'était l'ancien bâtiment. Juste pour une petite anecdote, la cathédrale de Saint-Pierre avait bénéficié au XVIIIe siècle d'un don d'un autel de marbre représentant la Seine. Cet autel a été sauvé de la destruction de la ville, et il avait été donné au musée de Cluny. Après la reconstruction de la cathédrale, c'est entre autres Victor de Paz, on va en reparler, qui a payé pour la reconstruction de la ville de Saint-Pierre et de la cathédrale. Et donc, on a obtenu dans les années 30 la restitution de cet hôtel. Donc aujourd'hui, il est de nouveau à l'intérieur de la cathédrale. Donc voilà, c'est un tout petit bout de l'ancienne ville de Saint-Pierre qui est en place. Et puis, voilà, je voulais vous montrer la place Bertin,
donc le cœur de la ville après la destruction. Donc voilà, la ville a été littéralement pulvérisée par le volcan, et donc on a reconstruit complètement cette ville. Et aujourd'hui, au bout de la place Bertin, donc cette grande place qui s'étend le long du rivage de la mer des Caraïbes, on a reconstruit l'ancienne bourse de commerce. C'est une partie de l'office du tourisme qui est installée là. Et en fait, c'est une copie d'un bâtiment qui avait été construit en 1820, donc pour recevoir accueillir les échanges de commerce autour de la ville de Saint-Pierre. L'architecte en chef des monuments historiques a reconstruit le bâtiment à l'identique. Donc, on a, à partir des photos, reconstruit complètement ce bâtiment. Il y a une petite anecdote que je trouve amusante. La place Bertin est pavée de pierres. La tradition, l'histoire de cette place, c'est que les pierres de la place étaient des pavés de pierres provenant de France, provenant en fait du port de Bordeaux. Pour lester les bateaux avant qu'ils ne ramènent le rhum, eh ben on les lestait en France en mettant dans les cales des pierres. Et ces pierres ont été utilisées pour aménager cette grande place au cœur de Saint-Pierre. Donc ça, c'est assez étonnant. Ce sont les pierres de Bordeaux qui ont permis d'aménager le cœur de cette ville. Au moment de sa plus grande prospérité, donc la ville de Saint-Pierre a autour d'elle, dans ses campagnes, une quinzaine de distilleries. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. C'est l'habitation de Paz, le château de Paz. Cette maison-là a une histoire un petit peu particulière, parce que la famille de Paz a été quasiment entièrement exterminée dans l'éruption de 1902. On connaît l'histoire de cette exploitation de sucre depuis le XVIIe siècle. C'est Jacques Duparquet, un des gouverneurs de l'île, le neveu de Pierre Belin d'Hénembuc, qui a fondé cette sucrerie. Elle a été transmise dans différentes familles, la famille Pérez et la famille Pécoul, qui en étaient propriétaires, donc, par association en 1902. Donc c'était à ce moment-là la famille de Paz, donc qui était dans l'exploitation au mois de mai 1902. Un des enfants, Victor de Paz, était lui en France, en métropole à ce moment-là. Il était au collège à Bordeaux. Et donc toute sa famille a été exterminée dans l'éruption. Ruiné et scellé, il a décidé d'aller faire carrière et d'aller faire fortune au Canada. Avant de retourner au Canada, il s'est arrêté en Martinique et bien évidemment, ben, enfin, il n'est jamais reparti de Martinique, il n'est jamais arrivé au Canada. Et donc il a réinstallé l'histoire de cette famille au-dessus de Saint-Pierre. Il a racheté les propriétés de sa famille jusqu'à réunir un domaine absolument immense de 520 hectares de canne, d'abord de canne à sucre pour la sucrerie, puis ensuite la distillerie. Pour la petite anecdote, la distillerie a été mise en marche le 8 mai 1917, donc juste 15 ans après la destruction de l'habitation. Et donc il a fait reconstruire une maison à l'identique de l'habitation de sa famille. L'habitation d'origine était donc l'habitation Périnelle, et donc maintenant c'est le château de Paz. Elle est un tout petit peu plus haut sur les collines que ne l'était l'habitation d'origine, et on peut visiter cet endroit. C'est un endroit absolument étonnant, une maison des années 20 qui a été construite, mais comme une résidence de la fin du 19e siècle. C'est un endroit absolument superbe où voilà, on redécouvre à la fois ce qu'était la vie de ces grandes familles de Martinique, et en même temps quelqu'un qui avait connu la métropole. Donc il y a quelques petits détails amusants où sa femme a fait livrer en Martinique des meubles achetés sur commande en métropole. Et quand on visite cette maison, elle a quelque chose de très très étonnant, puisque donc à l'arrière, elle donne directement sur la montagne Pelée. Voilà, vous êtes sous la galerie de la maison. Au-dessus de nous, à gauche, on a la montagne Pelée. Et si vous y faites attention, au fond du jardin, on a une copie
de l'escalier du théâtre de Saint-Pierre. Donc, tous les jours, quand cet homme-là ouvrait les fenêtres de sa chambre, il avait devant lui l'escalier de la copie de l'escalier de Saint-Pierre et la silhouette de la montagne. Voilà, il y a quelque chose de sombre aussi dans cette histoire d'un homme qui a perdu sa famille dans l'éruption et qui en même temps a fait renaître véritablement un gigantesque domaine et une romerie qui est aujourd'hui la seule de Saint-Pierre qui subsiste, qu'on peut visiter en partie, la romerie de Paz. Voilà, ça, je vous montre une dernière petite photo avant qu'on redescende vers les Caraïbes et que je vous libère. Voilà, on est sur la baie de Saint-Pierre, donc dans les nuages au-dessus de face à nous se trouve la silhouette de la montagne Pelée. Pour information, elle est encore active, hein, et encore, elle n'a pas d'éruption, mais on sait qu'il y a encore des sources chaudes. Donc voilà, je vous montre quelques-unes de ces fleurs que vous pourrez découvrir dans les pitons entre Saint-Pierre et Fort-de-France. Voilà, l'alpinia est une de ces fleurs extraordinaires de la forêt tropicale de Martinique. Ah, une petite étape. Donc bien évidemment, à la fin de chacune de nos journées, on ira là, hein, en fin ou en début de journée, pour aller se baigner. Donc avant la sortie, pour aller visiter une habitation ou un jardin, n'oubliez pas de prendre avec vous serviette et maillot de bain. C'est obligatoire tous les jours. Voilà, la mer des Caraïbes a cet avantage-là que vous n'aurez jamais à vous poser la question de savoir si elle est bonne, si la mer est chaude. Elle est toujours chaude. Donc ça, il n'y a absolument aucune question. Donc voilà, dans le patrimoine de la Martinique, il y a plein plein de choses. Il y a un patrimoine, une flore absolument extraordinaire et une faune extraordinaire. Si on a l'occasion, ensemble, on pourra prévoir une sortie au large de Saint-Pierre. On a des, si on est dans la bonne période, on a des bancs de dauphins. Et voilà, pendant quelques minutes, il joue avec vous. Ça, c'est absolument extraordinaire de voir ces animaux qui sont attirés par l'humain et qui viennent jouer avec vous. Donc, bien évidemment, dauphins et tortues, les poissons, c'est absolument extraordinaire. Voilà, que vous pourrez découvrir après les visites ou de bon matin. Je vous recommande de bon matin, c'est encore plus étonnant. Et puis voilà, un des oiseaux de l'île. On a trois types d'oiseaux-mouches, de colibris en Martinique. Vous imaginez bien, ça vole extrêmement vite. Donc une centaine de photos pour réussir à en avoir un qui est posé et à l'arrêt. C'est fait partie, voilà, de la magie de la Martinique. On descend, je vais bientôt vous libérer. On est côté Caraïbes, vers le sud de l'île, avec le célèbre rocher du Diamant, qui est un point de confrontation à la fin du 18e et au début du 19e entre les troupes françaises et les troupes anglaises. Il a été considéré comme le vaisseau amiral de la flotte anglaise pendant les confrontations entre les deux pays pour le contrôle de l'île. C'est en fait l'ancienne cheminée d'un volcan. Et je vais vous en reparler. C'est un de mes endroits favoris de l'île. Il se trouve que c'est aussi un endroit où on commémore l'histoire de l'esclavage sur l'île. Moi, je vous ai parlé des habitations, bien évidemment. Elles n'ont jamais fonctionné, 17e jusqu'au milieu du 19e siècle, sans le commerce des esclaves, le commerce triangulaire. En 1998, pour le 22 mai 1998, donc pour la commémoration du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Martinique, a été créé le monument du Cap 110. Donc en fait, on est au-dessus du diamant. Derrière, ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle le mont de l'Archer. Et donc, à cet endroit-là, en 1830, a fait naufrage, c'est le dernier naufrage d'un bateau négrier sur les rochers de la pointe du diamant, dans ce qu'on appelle l'Anse Cafard. C'est un endroit qui a encore aujourd'hui la réputation d'être extrêmement dangereux. Et ce bateau a fait naufrage avec toute une cargaison, entre guillemets, humaine d'esclaves. Le géreur
Donc le gouverneur d'une habitation qui se trouvait dans cette au diamant a réussi à sauver une partie de ces naufragés. On a 84 rescapés qui ont pu être sauvés. Et donc c'est à cet emplacement-là. Donc l'artiste martiniquais Laurent Vallère a créé ce grand monument en hommage à ces humains amenés comme une marchandise sur l'île pour servir à l'industrie à l'industrie du sucre. Ce sont 15 énormes statues, c'est du béton blanc qui a été utilisé. Elles font 2,50 m chacune, donc il y en a 15 qui sont réparties en triangles, bien évidemment, pour évoquer le commerce triangulaire. Et donc elles sont au cap, elles sont, voilà, sur une pointe dans laquelle, à l'endroit où s'est échoué ce dernier navire négrier. Donc en fait, les statues sont tournées vers la mer et l'ensemble s'appelle le Cap 110. Le Cap 110, c'est le cap pour rejoindre le golfe de Guinée, d'où venaient la plupart des esclaves de Martinique. Donc c'est un monument que j'aimerais bien vous emmener voir parce que voilà, ça parle de l'histoire de la Martinique et aussi de l'histoire de l'esclavage. Voilà, on voit les statues d'un petit peu plus près. Donc elles sont pliées en avant, bien évidemment. Évocation de ce travail extrêmement pénible de la canne à sucre. Allez, voilà, on va s'arrêter là. Je vais bientôt vous libérer. Mais bon, je vous emmène sur ma plage préférée de Martinique. Nous voilà sur la plage du Diamant. Donc l'Anse-Cafard est à droite de ma photo. C'est un endroit rare pour la houle, pour les vagues. Moi j'aime bien les vagues. Et il n'y a pas de vagues sur la mer des Caraïbes. C'est une mer particulièrement calme, sauf à cet endroit-là, à cause du rocher du Diamant. Donc c'est un endroit avec de la... voilà, c'est un endroit un peu étonnant. C'est une plage qui est peu fréquentée par les Martiniquais qui la considèrent comme dangereuse. Et en l'occurrence, voilà, si on est plus loin sur la plage, elle commence à devenir dangereuse, mais je la trouve très très belle, très spectaculaire, avec ce rocher du diamant dans la perspective. Donc voilà, on ira ensemble voir cette plage et cette mer absolument extraordinaire qu'est la mer qu'est la mer des Caraïbes. Voilà, bah, j'espère que je vous ai donné envie d'aller découvrir ce territoire de France au-delà de l'Atlantique, bien, bien par-delà cette carte postale de la mer des Caraïbes. C'est un endroit qui regorge d'histoire. C'est une vraie histoire avec la métropole. C'est une histoire dramatique. Pour partie, celle de l'esclavage. C'est aussi celle de l'histoire du sucre, du rhum. Ça permet de faire quelques étapes par des rhumeries. Les Martiniquais considèrent, et probablement à raison, qu'ils ont le meilleur rhum du monde. Et c'est aussi l'histoire de Saint-Pierre. Donc c'est vraiment un endroit à découvrir, et bien évidemment, largement plus que simplement ces plages. Voilà, je vous remercie de votre attention et voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir cette île et j'espère ensemble. Alors, hop, voilà, juste pour information, les prochaines conférences demain. Donc oui, c'est ça, vendredi, demain, Laurent Abri poursuit ses conférences sur les ateliers d'artistes pendant la Renaissance italienne. Donc demain et mardi prochain. Et vendredi de la semaine prochaine, le 4 février, Barbara Lepécheux abordera les trésors de Venise. Et puis vous le savez, on a toute une série de promenades. Donc, quelques-unes parmi celles qui se tiennent dans les jours qui viennent. Donc la Russie à Paris, les musées autour des civilisations lointaines, donc autour de Guimet et du musée de Branly. Pour les grandes expositions, la prochaine sera l'exposition Signac au musée d'Orsay.
On fera ensuite l'orangerie et enfin l'exposition Gaudi au musée d'Orsay. Et puis donc, on a une conférence, une série de visites, pardon, de promenades autour des maisons d'écrivains. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et à très bientôt. Au revoir.